Bon dimanche chez vous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du roi Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année 2023. Une année bénie, une année qui a été comblée de beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous. C'était nous peut-être connectés un peu, si je peux dire, distrait. C'est pourquoi on n'a pas saisi beaucoup de choses que Dieu a mis à notre disposition. Parce que, en regardant les chiffres, parce que Dieu est dans des chiffres, vous comprenez? Vous allez voir que non, c'était vraiment une année bénie et une année de grandes choses, une année miraculeuse. Vous voyez? Mais sauf qu'on était distrait. Et cette distraction, c'est ce qui a fait que le diable a profité de notre distraction. Et c'est ce qui a fait que non, il a pris, il a emporté les dispositions que le Seigneur a mis à notre disposition. Vous comprenez? Alors, comme c'est le dernier dimanche, nous venons dans sa miséricorde qu'il a renouvelée ce matin pour nous. Alors, en terminant cette année, nous nous abandonnons à lui, lui la parole, parce que, souvenez-vous, sans la parole, on est des mortels, on est même au-dessous des animaux. Vous comprenez? Donc cela veut dire que si nous nous abandonnons à la parole, nous aimons la parole, c'est la parole qui pardonne nos péchés, qui écoute nos confessions, qui identifie que c'est authentique, afin que la parole puisse nous bénir, nous protéger, nous cacher, nous garder, nous conduire, nous éclairer, nous sanctifier, nous purifier, afin que lui puisse venir et habiter en nous, que nous puissions être des temples du Dieu vivant. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous nous venons encore ce dimanche ici pour terminer l'année en beauté. Nous allons lire dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 3, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Nous allons commencer aujourd'hui par lire les Écritures, en lisant les Écritures, et puis nous allons nous disposer à lui, l'auteur de cette parole, afin qu'il puisse nous utiliser à sa volonté et à sa manière. Vous comprenez? Donc voilà, parce que c'est lui qui connaît ce qu'il faut pour nos âmes, ce qu'il faut pour une bonne conduite de nos âmes, afin que son esprit qui a la suprématie au-dessus de tout mauvais esprit, que le diable a le contrôle, puisse nous conduire et savoir comment nous éviter et nous épargner de toutes tentations, pièges d'embûches qui nous arrivent nuit et jour. Vous comprenez? Parce que la seule protection dont nous avons, c'est la parole créatrice de Dieu. Si on était créé par quelque chose d'autre, comme les créatures du temps, nous allons rejeter la parole. C'est pourquoi ils s'abandonnent cette dimension d'en bas, vous comprenez, c'est là où ils tirent leur influence, leur force, leur pouvoir pour venir ici, vous comprenez, nous tendre des pièces des embûches. Mais si vous connaissez, vous savez que j'ai été créé par la parole. Parce que quand on parle des créatures du temps, ce sont des créatures qui ont été formées. Vous comprenez? Qui viennent de la formation. Alors, tout ce qui est de la formation, cela veut dire ça a commencé dans les temps. Ouais, et tout ce qui est temps va prendre fin. Voilà, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais avant d'être l'alpha, il est le Dieu. Il est le Dieu de toute éternité. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous êtes des fils et des filles de Dieu, donc, vous êtes éternel. Alors, si vous êtes éternel, vous devez vous abandonner à la parole éternelle parce que c'est celle, ce n'est que la seule chose qui peut nous transformer. Alors, cette parole éternelle de Dieu, c'est quelque chose d'invisible. Vous comprenez? Comme la foi est invisible. Alors, comme la foi est invisible, si nous voulons lui ressembler, donc cela veut dire que nous devons nous attendre à l'invisibilité. Vous comprenez? Parce que c'est l'invisibilité qui va nous sauver. L'invisibilité qui va sauver nos âmes. L'invisibilité, c'est la seule chose qui peut nous transformer afin de revêtir l'image du Christ. C'est ça la divinité de Jésus-Christ que nous avons vu dans son saint prophète William Branham dans sa totalité.
Vous comprenez ça? La plénitude de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme dans cet âge dont nous nous vivons. Alors que les gens des églises, ils sont venus nous prêcher, vous comprenez, en nous limitant. Pourquoi cette limite? Cette limite est due à la popularité. Vous comprenez cela? C'est l'esprit de l'égoïsme, comme l'apôtre Pierre et Paul le dit là-bas dans 2 Timothée chapitre 3. Vous connaissez, vous savez, donc vous souvenez, vous comprenez? Donc cela veut dire que quand quelqu'un est un bon auxiliaire du prophète, de l'âge, du messager de l'âge, il devait être revêtu de l'esprit du Christ qui est l'esprit de ce messager de l'âge, de la septième étoile que le Seigneur nous a envoyé, qui est venu allumer la lumière. Et il a fait, vous comprenez, la personnification du Christ dont nous devons nous revêtir de ça. Et quand un auxiliaire, un bon Éphésiens 4, selon les cinq ministères de l'Éphésiens 4 qui nous a été donné, vous comprenez, sur le don que le Seigneur a répandu dans le monde, voilà, les auxiliaires, c'est comme des Josué. Ils prennent la lettre que le messager a pris, que le Christ lui a donnée. Et quand il vient, le messager là, c'est lui maintenant Christ, parce que Jésus ne veut plus, je dis bien plus, jamais, never, nunca, venir avec ce corps de Galilée. Parce que c'était une des premières venues. Donc aujourd'hui, ça c'est un réveil passé. Vous comprenez, de parler de Jésus en ayant une conception passée. C'est une mauvaise perception de voir les choses de Dieu. Vous comprenez? Vous allez m'excuser parce que j'ai dit que non, je devais lire, mais quelque chose m'a emporté. Et c'est très, très important. C'est comme ça que nous voulons toujours nous introduire. Voilà. Donc, nous avons vu que quand, donc, comprenons que quand un bon Éphésiens 4 se tient derrière la chair en tenant cette parole, il devait s'abandonner à l'esprit de cette parole. Vous comprenez? S'il n'a pas l'esprit de cette parole, il va vous garder là-bas comme ses brebis. Et vous vous dépendez de lui, vous devenez comme des esclaves de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est cet aveuglement que le Seigneur parlait. C'est ça l'aveuglement. Vous comprenez? Donc, un autre humain qui vous conduit. Oui, il nous a été dit que non, la commission de lancer et d'amener l'humain à faire, donc cela veut dire, vous, laisse-moi vous expliquer ça très bien. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que non, la commission qui nous a été donnée au temps de la fin, c'est de croire à un humain, à un semblable comme nous. Voilà. La septième étoile, les messagers prophètes. Vous comprenez? Nous devons croire en lui. C'est normal aussi que nous devons croire à nos chers pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres. C'est bien que nous puissions croire en eux. C'est aussi recommandé que nous puissions croire à mon frère, à ma sœur. Vous comprenez? Donc cela veut dire, cela fait partie de l'amour. Cela fait partie de cette invisibilité qui est Christ, le mystère de la piété. Quand Jésus est grand, il est descendu, il s'est personnifié dans l'un de nous et en nous. Quand je vois mon frère, je vois Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Jacques vient pour nous reprocher en nous disant que comment pouvais-tu dire que tu aimes Jésus, que tu n'as pas dû, tu n'as pas encore vu, mais tu haïs ton frère. Quand tu rejettes ton frère en disant que j'aime le Seigneur Jésus-Christ, tu es un menteur. Alors, celui qui est le père du mensonge, c'est le diable. Cela veut dire que tu es le fils du malin. Vous comprenez? Alors, si tu es un fils de Dieu, tu devais te repentir et aller voir ton frère lui dire que voilà, j'ai pensé ça pour toi, j'ai disais ça pour toi. Veuillez m'excuser. Tout ce que j'avais dit, ce n'était pas conforme, alors je me repens. Pardonne-moi. Si ce frère-là te pardonne, Dieu aussi t'a pardonné. Si ce frère-là ne t'a pas pardonné, donc ça veut dire que tu as gardé ça encore, ça veut dire que sache que non, tu vis dans les ténèbres, dans l'obscurité, comme nous avons parlé de ça. Vous comprenez? Donc tu es devenu tout sombre. Donc ça veut dire donc. L'obscurité t'incarne, donc cela veut dire que te couvre. Donc ça sera difficile que tu puisses voir la lumière. Et si la mort te surprend aujourd'hui, sans que tu aies un égard. Vous comprenez? Comme le créature du temps, comme nous sommes en train de parler ici. Alors, un bon Éphésiens 4, quand il vient,
Il ne vient pas là-bas pour garder les gens qui puissent être ses brebis à lui, comme on dit mes brebis, mon église. Oui. C'est un langage qu'on peut exprimer sous forme de langage, mais ça ne peut pas être quelque chose que vous les amenez comme vous prononcez ces mots et vous amenez ça aussi dans le spirituel. Donc, quand vous amenez ça dans le spirituel, sache que le diable, c'est lui qui va prendre possession de ces gens-là. Vous comprenez? Parce que vous avez brisé une partie de l'écriture. Une fois que vous brisez une partie de l'écriture, c'est lui qui vient là-bas, c'est le mal. Il a commencé ça dans les jardins de Dieu. On insiste sur ça depuis qu'on a commencé cet enseignement. Pour que nous puissions comprendre que le temps que nous sommes en train de vivre, que nous devons vraiment réparer chaque écriture que nous avons brisée. S'il s'agit de la manière de s'habiller, de parler, si c'était de la manière d'une interprétation, de la manière dont on avait construit notre église, ou soit ordonné notre église, toutes les choses qu'on avait planifiées et puis mises en disposition sur notre église, si cela n'a pas été conforme aux écritures, beaucoup de gens qu'on avait établis dans l'église, de la manière qu'on avait établi les choses dédiées dans l'église, les personnes, les individus, tout ça, ainsi de suite. Si cela n'est pas conforme aux écritures, nous devons nous repentir et essayer de remettre ces choses-là en ordre. Si pas, nous venons là-bas, comme tout le monde qui peut prendre le nom de Jésus, même les démons, quand ils sont, nous avons parlé l'autre fois, vous comprenez? D'abord, il y a un exemple qui m'est venu, ça allait peut-être me fuir, comme l'autre fois je voulais parler de ça, quand on parlait de l'ombre et toute cette histoire. Voilà. Il y a un frère, le frère Olivier, je pense, c'est lui qui m'a envoyé une vidéo. Et cette vidéo-là, c'était des vidéos de gens, de loges. Je ne voulais pas citer simplement les noms. Et ils étaient là, bon, ils montraient comment est-ce que permettre à quelqu'un de voyager de l'autre, dans notre monde. Et puis, comment est-ce qu'il prie pour que cette personne-là puisse revenir? Et la personne était étalée là-bas, donc ça avait des couchés par terre, et il s'était né là-bas, il y avait des grands qui étaient là-bas, et tous, ils priaient. En priant, ce qui m'a intrigué, quand le frère m'a envoyé cette vidéo, parce que lui, quand il m'avait envoyé la vidéo, en fait, donc, donc cela veut dire, il s'est posé des questions, mais comment est-ce que ils invoquent le nom de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant, le Maître de l'univers et tout ça. Maintenant, imagine, de la manière qu'ils disent, ça veut dire qu'ils invoquent Dieu pour que l'ombre de cette personne-là couchée par terre qui était sortie et l'organisme était resté là-bas, qu'il puisse revenir afin que cette personne-là puisse se mettre debout. Vous voyez? Et il m'a envoyé ça, il a dit, ah, l'homme de Dieu, regarde un peu ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais nous avons que Dieu. Je lui ai dit, mais les démons, tous, je lui ai donné l'exemple de ce que je vous ai parlé l'autre fois ici. Vous vous souvenez de quand le Seigneur s'était mis, il est allé vers la cimetière là où s'était né l'homme qu'on appelait Légion, qui avait plusieurs démons. Vous comprenez, quand il voulait chasser les démons ont commencé à supplier le Seigneur. Ils ont reconnu d'abord, lui a appelé le Seigneur Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Alors que les gens dans les églises, les sacrificateurs, des pharisiens, des scribes, des grands qui connaissaient, vous comprenez, la loi mosaïque, judaïque et tout, vous comprenez tous les écritures. Donc cela veut dire, vous ne pouvez pas mal interpréter les écritures, vont vous tuer. Mais ils étaient aveuglés jusqu'à crucifier le roi et ils lisaient dans les écritures. Pourquoi? Parce qu'ils conduisaient mal, ils ont mal établi l'église. Jusqu'à tel point que le Seigneur, un jour, il venait dans l'église, il a joué le rôle d'un diacre. Vous comprenez, en chassant le marchand dans l'église. Vous comprenez ça? Les démons ont reconnu le Seigneur, lui ont supplié parce qu'il y a qu'un seul Dieu. Quel que soit, il vient, c'est contribué, c'est ce qui montre ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux. Aujourd'hui, ils nous disent que non, avant Adam. Donc, ça veut dire les gens existaient. C'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui pour nier l'existence. Vous comprenez les Écritures? Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à tordre le sens des Écritures pour égarer les âmes. Mais ce sont les créatures du temps qui vont croire parce qu'ils étaient formés. Vous comprenez? Et la formation se multiplie par des humains.
Vous comprenez, à chaque fois quand un homme et une femme s'accouplent, la formation se multiplie. Mais celles qui étaient dans la création, ils peuvent venir au moyen aussi de cette multiplication formative. Cela ne pouvait jamais les empêcher à retourner là où ils étaient avant de venir dans l'état. Voilà. Donc ce sont des gens qui s'abandonnent à la parole, qui aiment la parole, qui sont des esclaves de la parole, qui prient, qui ne prient pas n'importe comment, qui ne viennent pas simplement comme ça, qui commencent à parler à Dieu. Donc ça veut dire qu'ils écoutent la parole et comme le Seigneur avait dit, la foi vient de ce qu'on attend, alors que pour prier, vous devez avoir la foi, parce que Dieu n'exauce que quelque chose qui est invisible. Et la foi qui est invisible, c'est ce qui vous fait entrer avec un Dieu qui est invisible. Vous comprenez? Vous entrez en contact avec lui et vous commencez à parler avec le Père dans un lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Sans cela, vous serez un hypocrite, une hypocrite qui fait semblant, vous comprenez, de montrer aux gens qu'il s'abandonne à Dieu. Il connaît le Seigneur en citant les noms, mais l'esprit invisible n'est pas en lui. Parce que la foi qui est invisible ne peut venir que de cette parole invisible qui est la vie manifeste. Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez cela? Donc, c'est ça. On peut maintenant lire les Écritures et peut avancer. Et nous allons terminer. J'espère qu'aujourd'hui, comme c'est le 31, beaucoup de gens se préparent peut-être à faire certaines choses. Et nous allons nous abandonner à la lecture des Écritures et puis parler sur certaines choses. Et nous allons continuer encore notre enseignement les dimanches prochains. Vous voyez, que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. On commence d'abord par 2 Corinthiens chapitre 3. Je pense qu'on va lire 3 versets. 4e. On va simplement citer ça par la bouche parce que c'est juste un verset et puis nous allons continuer. Lisons ici dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 18. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Vous allez m'excuser parce que c'était par une invitation que les bien-aimés nous ont appelé que je puisse être ici dans ce lieu. Il avait voulu que non, qu'on puisse amener cette onction de l'esprit aussi au milieu des chrétiens. Pourquoi vous m'avez dit, je me suis déplacé de là pour venir ici. Peut-être que vous allez vous demander, mais tu es où? On entend un peu de bruit. Vous voyez, donc, on est, donc, il y a d'autres gens qui sont peut-être des voisins ici, dans cet immeuble. Donc, vous voyez, donc, ils ne peuvent pas comprendre les choses. Vous ne pouvez pas aussi aller leur dire que non, arrêtez ce que vous faites, parce que c'est ce que je vous dis, parce que les 31, beaucoup, rendre gloire à leur Dieu de leur manière, parce que nous ne servons pas le même Dieu. Alors, lisons les Écritures. Verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ce qu'on avait dit. Vous pouvez avoir les Écritures, la connaissance des Écritures, vous pouvez avoir des diplômes, le doctorat, de la théologie, de la philosophie, psychologie, tout cela, si vous pouvez y en avoir, c'est pas mal, mais vous devez avoir l'esprit de la lettre. La lettre, c'est la Bible, la lettre, c'est les brochures, vous comprenez? De la voix de Dieu, c'est la lettre. Mais vous devez avoir l'esprit de cette lettre. On continue cette si, parce que c'est cet esprit-là qui va vous aider à être transformé dans l'invisibilité pour devenir un avec Christ comme il en a promis. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Voilà. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire a été, voilà, ce pas a été et était passagère. On continue 8. Quand le mystère de l'esprit ne sera-t-il le plus glorieux? Si le mystère de la condamnation a été glorieux, le mystère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure.
En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Alléluia. Comment? Quand la voile est ôtée. Comment est-ce que la voile peut être ôtée? Parce que nous vivons le temps de la plénitude du Saint-Esprit, le temps où le Fils de Dieu devait se manifester. Alors, le temps de la manifestation, c'est le temps où l'époux et l'épouse deviennent un. Vous comprenez? Alors, cette façon de devenir un, ce n'est pas dans la visibilité. Non, c'est dans l'invisibilité. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit tout au départ. Donc, cela veut dire que la foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole, cette foi est invisible. Vous comprenez? Est invisible. La foi dont on possède des pantalons, des voitures, ainsi de suite, c'est une foi illusoire. Vous comprenez? Ça, c'est pour des gens. Cela veut dire quelque chose qui vient de la formation. Mais nous avons besoin de la foi de la création, parce que par cette foi que Dieu créa ceux de la terre. Est-ce que vous comprenez? Frère Bala me dit que non, Dieu, quand il créa par la foi. Quand il prononça la parole, que la lumière soit et la lumière fut, c'était la foi lui-même. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, quand il a appelé Abraham, son ami, c'était à cause de la foi. Remarquez, si nous pouvons prendre, donc ça veut dire définir le mot ami, que veut dire un ami. Vous comprenez? Donc ça veut dire quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qu'on se connaît très bien. Un ami, ce n'est pas un camarade. Il y a une grande différence entre un camarade et un ami. C'est pourquoi nous chantons ce cantique. Souvenez-vous, ami de Jésus. Communion divine, oh quel douce béni, communion, Jésus est bien mon ami. Vous comprenez? Quelle bénie, douce communion, cette communion invisible. Vous comprenez? Parce que nous sommes venus parler de l'invisibilité ici. C'est un long chapitre, vous allez m'excuser. On ne peut pas tout parler à cause de votre temps, je vous respecte. Vous devez quand même vous disposer bien à l'écouter et puis on continue. Si je suis trop long, vous n'allez pas saisir d'autre chose. Vous comprenez? Ami de Jésus, communion divine. Vous voyez? Alors, quand on regarde cette communion, les gens ont allusion simplement à cette communion dans l'église. Vous comprenez, Seigneur? Donc, les gens ont simplement cette allusion de la communion dans l'église. Oui. C'est une communion. Aussi, si quand on vient, on est tout autour de la parole vivante de Dieu. Et cette parole vivante, c'est la parole révélée du jour. Christ identifié dans des âges, 1er, 2, 3, 4, jusqu'au 7e, il est descendu et il s'est personnifié. Et cette communion que nous chantons, quand nous venons dans l'église, et la parole est prêchée en esprit et en vérité, s'il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de la jalousie, il n'y a pas de la haine, il n'y a pas de l'hypocrisie. Toutes ces choses-là qui viennent, qui sont des attributions du péché, n'habitent pas au milieu de nous. Cette communion-là, c'est une communion divine. La divinité du Seigneur Jésus-Christ descend et l'Esprit se manifeste. Ça, pour autant que les pasteurs puissent prier, il y aura des guérisons qui vont se manifester, beaucoup de choses. Vous comprenez, vous aurez la maison du don, des dons sans pour autant l'organiser. Oui, c'est ça. Mais si quelque part la parole est mal interprétée, c'est ce qui donne naissance à toutes ces attributions du péché que nous venons de citer ici. L'hypocrisie, la haine, la jalousie, et ainsi de suite, la méchanceté, la colère, la trahison. De tuerie, ouais, donc tout ça, ça vient quand quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, ouais, mais si tout aille bien, conformément aux Écritures,
Nous aimons les uns les autres. Nous nous voyons nous tous dans une même égalité. Parce que dans le royaume, c'est comme ça. Vous comprenez? Quand Frère Branham, il est allé de l'autre côté, dans la sixième dimension que nous sommes en train de parler ici, il a rencontré les saints ici dans le repos. Parce qu'ils ont cru Christ, ils ont cru à Christ, à la parole révélée du jour qui est Christ. Vous comprenez? Ils n'étaient pas censés de passer à la mort parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Et la mort qui fait tomber cette ombre ici, vous comprenez? Qui est cette partie obscure de la mort, ils les ont déjà vaincus et ils les ont rendus néants, vacillants, légers, vous comprenez? Et cette mort est devenue un moyen de transport pour eux. Et quand leur temps était arrivé, ils ont passé ces trois dimensions, ils ont même passé cet espace ici du jugement. Vous comprenez? Ils n'ont rien à voir avec ce trône du jugement pour se retrouver directement ici dans la sixième dimension qui est le repos. Et quand le saint prophète traversant le fleuve vert, il est arrivé ici, on l'a embrassé, notre cher bien-aimé. Vous comprenez? Notre cher bien-aimé. Le mystère qui nous a été révélé aujourd'hui, c'est pour nous montrer que nous devons être égales. C'est pourquoi Paul disait, quand le parfait viendra, nous serons transformés à Christ, à son image. Cette image qu'Adam avait perdue, c'est le but qui nous amène ici de parler, parce que nous voulons retourner là-bas pour que nous puissions faire tomber l'obscurité qui fait en sorte que nous puissions être toujours faibles, vacillants. Vous comprenez? À faire toujours quelque chose dont l'enfer est dans la joie. Vous comprenez? Faire en sorte que nous, on se combatte les uns les autres, voir quelqu'un dans les faiblesses et dire que nous, voilà, non. Mais au contraire, de prier, pourquoi? Parce que l'amour domine à nous. Souvenez-vous de cette pyramide qui est la stature parfaite de l'homme qu'on avait mis ici. La tête de cette pyramide, nous avons mis, c'est l'amour parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc c'est ça, ces choses dont nous sommes venus parler ici. Laisse-moi continuer. On est maintenant dans verset 13, on lit. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Alléluia. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin, de ce qui était passager. Vous comprenez cela? Les temps de ce qui était passager. On passe dans verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Alléluia. Amen. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, le voile est ôté. Se convertissent. Quoi? La conversion. La conversion veut dire quoi? Être converti veut dire naître de nouveau. Vous comprenez? Parce que le Seigneur a condamné cette naissance. Quand, dans Genèse chapitre 3, le jour où vous en mangerez, vous comprenez, vous mourrez certainement. Et nous avons vu que non, Genèse chapitre 3 nous a dit ici que non, ils ont, le Seigneur a parlé dans Genèse chapitre 15 à 17. Et maintenant dans 3, le malin est venu, il leur a dit, eux aussi ils ont écouté les malins. Et quand ils ont écouté, une écriture a été mal interprété. Et quand cette écriture a été mal interprétée, à chaque fois qu'on interprète mal les écritures, il y a une porte qui s'ouvre ici, à l'enfer, et qui donne accès aux démons, aux mauvais esprits, pour venir ici
dans les atmosphères où nous sommes, dans ce monde où nous sommes ici. Et quand ils viennent ici, c'est pour dominer. Vous comprenez? Et vous allez voir que non, la puissance du Saint-Esprit divine domine de nous. Et nous sommes incapables d'atteindre la perfection. Vous comprenez? Et des fois, cette vie de sanctification qui est à nous commence à être essuyée et nous quittons ce niveau dont nous avons atteint. On commence à descendre. Vous comprenez? Parce que leur rôle, c'est pour que nous puissions leur ressembler. Voilà. Donc, avec les difficultés de la vie et toutes ces choses-là, quand l'amour se refroidit au milieu de nous, et il y a des brisements des écritures qui donnent accès et ça crée tout, et quoi, la manifestation, si on peut dire, cela veut dire de tous ces attributs du péché au milieu de nous, et ça commence à sortir dans l'air de nous, donc ça veut dire à se manifester, on puisse voir un frère comme ça, donc ça veut dire dans son comportement, dans sa façon d'agir, et ainsi de suite, dans une scène, et tout ça dans sa façon de s'habiller, et cela fait en sorte que non, ça diminue la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Et cette divinité s'éloigne de nous, et nous restons incapables, et comme des animaux, vous comprenez, comme toute autre créature, alors qu'on n'était pas censé y être. Remarquez ce que dit les Écritures, le Seigneur dit que non, vous êtes des fils de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous comprenez? Mon peuple périt faute de connaissance. Quelle est cette connaissance? C'est que nous sommes venus parler d'ici. Ouais, donc c'est ça. Et alors la conversion veut dire naître de nouveau. Donc vous devez marcher sur cette pyramide qu'on avait mis ici de la foi jusqu'à l'amour fraternel. En arrivant à l'amour fraternel, vous devez vous abandonner encore. Donc, comme quelqu'un qui est en train d'avancer pour aller chercher à prendre le diamant qui est là-bas. Comme quand on était dans les Lunda. Vous comprenez l'Angola là. Donc, ce n'était pas facile. Mais avec d'autres terrains, vous allez voir comme ça qu'on appelait donc des Banga Bagazin. Il y avait des grosses pierres. Il faut casser ça. Et vous allez voir les liens de Mouchanga là. Et quand vous allez prendre ces Mouchanga, vous comprenez les terres. Mais là, on disait là, que nous étions en train de dire là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, en bas, vous allez prendre le Mouchan, mais c'est à ce moment-là que vous allez tamiser pour prendre ce que vous êtes en train de chercher. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc on doit entrer en profondeur. Voilà. Parce que Pharaon nous a dit la profondeur appelle la profondeur. Mais si vous n'avez pas cette profondeur, vous arrivez quelque part quand vous allez voir cette pierre-là qui couvre là-bas toute cette partie où se trouve Mouchanga en bas, vous allez vous fatiguer. Et c'est ce qui arrive à plusieurs gens aujourd'hui, et vous allez demeurer dans une religion formaliste. Et vous voyez, et les gens qui demeurent dans des églises, qui ont contrôle des églises aujourd'hui, si nous nous parlons de ça, ce n'est pas dans un sens de critiquer. Vous comprenez? Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent. On respecte les possibilités de l'Église, j'ai toujours dit ça. Vous comprenez? Mais comprenez l'esprit, donc vous savez, qui est derrière ce système que le diable a implanté partout dans le monde, non dans les bars, non dans les clubs, non dans les clubs de football ou quoi que ce soit, mais dans l'église, là où sort la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi nous insistons sur ça. Voilà. Donc quand vous arrivez là-bas, vous voyez cette pierre, la corne, il y a encore une église. Un exemple public qui nous est venu ici. Laisse-nous parler en lisant les Écritures et puis nous allons terminer. Voilà. Quand on voyait dans la tente d'assignation, vous comprenez, donc vous allez voir qu'il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans les parvis, on pouvait entrer comme on entre dans les églises ici, on est là et tout ça, ainsi de suite. Vous comprenez, il y avait le lieu saint où les sacrificateurs s'étaient, mais pour aller dans le lieu très saint, dans ces tailles ici, vous comprenez quand on parle de l'herbe, de la voile, qu'ils ont encore jusqu'à aujourd'hui, ainsi de suite. Vous comprenez? Nous avons vu que c'était le sacrificateur seul qui devait se sanctifier pour entrer dans ces lieux et il entrait une fois seulement. Vous comprenez? Mais avant d'entrer ici dans les lieux, il y avait un pot de brûlure. Vous comprenez? Un an. Donc ça veut dire, il y avait quelque chose dans ces rideaux-là, on peut dire que non, il y avait un endroit sombre. Donc il faut que les sacrificateurs puissent
percer ici. Et avant de percer ici, il devait être saint. Parce qu'il a été dans la présence du Dieu très saint. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ça veut dire, s'il n'est pas dans cet état de parfait, il ne peut pas aller là-bas. Une fois qu'il aille là-bas comme ça, il va mourir. Voilà. Mais si tu entres, mais aujourd'hui, nous sommes censés, pardon, je ne peux pas traîner là-bas à cause du temps. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'y entrer. C'est ça, pour atteindre cette divinité, pour être sauvé. C'est pourquoi on parle de l'invisibilité sauf nos âmes. Donc nous devons devenir un avec Christ. Comme frère Branham, un avec Christ. L'apôtre Paul, un avec Christ. L'apôtre Pierre, qui se tenait là-bas, entra dans les temples avec l'apôtre Jean. Ils ont vu la belle qui demandait de l'aumône. Vous comprenez? À eux, qui lui donne une pièce d'argent. Pierre lui a regardé, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je. Voilà. Donc ça veut dire, je suis Jésus. Voilà. La personne de Jésus, c'était Pierre. C'est que je te le donne. Vous comprenez? C'est qu'il possédait la divinité de Jésus-Christ qu'il a reçu au jour de la Pentecôte. C'est que je. Vous comprenez comment est-ce que cette foi invisible lui a transformé? Il est devenu une nouvelle créature, une autre créature. Et c'est que je, le Saint-Esprit Christ, ouais, c'est celui du sang qui a été brisé au jour du calvaire. Et sa vie, la vie de ce sang-là, la vie qui était sortie du sang, est venue vers nous aujourd'hui, la vie Zoé qui est la vie de Dieu. Elohim de nouveau, et nous avons vu que Pierre qui pouvait parler à cet homme, c'est que je. Vous comprenez? Donc, je te les donne. Voilà. Au nom de Jésus, lève-toi. Vous comprenez? Il s'est levé de bon. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous devons être. Parce que Malachie 4, vraiment, le prophète, quand il est venu, il a dit, mon rôle étant, et dit le prophète, c'est de ramener le corps de peur. Le cœur, la foi apostolique, le cœur c'est la foi. Vous comprenez, c'est ça l'expression biblique. Le cœur de peur, donc ça veut dire de ramener la foi apostolique, la foi de peur vers le fils, donc les enfants, comme l'expression biblique le dit, et enfin de prendre ce qui est aux enfants, de les retourner encore au père. Donc ça veut dire Zacharie, là le prophète Zacharie est venu. Le même Christ qu'ils ont rejeté, par ce même message qui nous est venu, ce même évangile du Christ, prêché vers le temps de la fin, c'est ce qu'eux aussi ils vont croire pour reconnaître Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. Vous comprenez ça? Et maintenant, quand quelque part on a brisé, sachez-le, nous ne pouvons pas atteindre les lieux très saints. Mais aujourd'hui, nous sommes censés atteindre les lieux saints. Et les lieux saints, c'était là où l'étoile qui est au-dessus de cette pyramide, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, Christ, vous comprenez, c'est lui. Et dans cette étoile, c'était écrit l'amour parfait, Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là que vous passez de la mort à la vie. Le jugement, le trône du jugement ici, vous n'y passerez plus. Comme Frère Branham disait que non, l'épouse ne passera pas au jugement. Vous voyez? À cause de quoi? Parce que le jugement, c'est la mort. Vous avez été condamné. Ouais. Et le Seigneur a pris cela. C'est quitte à vous de croire. Et quand vous vous croyez, vous vous abandonnez, vous devenez un avec lui. Alors que devenir un avec lui, ce n'est pas d'emblée dans un seul jour. Vous devez persister par l'écoute. Et cette écoute de cette foi qui vient de ce qu'on a, c'est ce que les prophètes nous ont annoncé et nous nous venons aussi vous annoncer en plaçant cela correctement. Et si vous demeurez là-bas, comme il a dit, si vous demeurez à moi, lui, qui la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous demeurez en moi, de demeurer en lui, ce n'est pas de marcher avec votre conception que non, je Jésus, je demeure avec Jésus-Christ. Non, ça c'est une fausse conception, c'est une conception humaine. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous dites en vous-même,
que donc cette parole que j'écoute, demeurez en Christ, ça veut dire écoutez sa voix. La voix pourvue par Dieu aujourd'hui. Et si vous demeurez à écouter cette voix chaque jour de votre vie, chaque instant de votre vie, vous marchez avec ces épîtres-là, c'est ça demeurer. Vous comprenez, comme il a dit, si vous demeurez en moi, donc si vous gardez ma parole, et chaque fois que vous la méditez, vous comprenez, vous l'écoutez, vous chantez, c'est là que vous adorez avec la parole, vous priez avec la parole, vous comprenez, quand vous dormez avec une épître, quand que vous êtes abandonné, le de penser sur les choses de ce monde, sur tout ce que vous avez vu pendant la journée, ou soit le fragment de mémoire qui sont dans votre dans votre hippocampe, au centre de votre mémoire, ça vient là-bas, vous commencez à le stimuler et ça vient jusqu'à tel point que ça vous amène au sommeil. Quand vous allez dormir, vous allez voir les choses du monde. Mais quand vous prenez votre temps avant de dormir, vous prenez une épître de Christ, vous comprenez, et vous commencez à méditer cela et cela vous amène. Ou soit vous prenez la voix de Dieu sur tout ça et vous vous disposez à écouter la voix de Dieu. Vous qui en avez, et vous écoutez cela, vous allez voir que non, ça vous amène que vous dormez calmement. Donc vous dormez avec l'atmosphère céleste. Vous comprenez? Vous dormez avec l'onction du Christ. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez voir que vous allez vous réveiller peut-être avec une chanson, ou soit un cantique spirituel qui chante dans votre esprit, dans votre cœur. Vous comprenez? Qui résonne. Vous comprenez donc sur votre tête et vous allez peut-être prendre cette chanson et vous allez dans la prière avec cette chanson. Et en allant dans la prière avec cette chanson, vous allez voir que non, des épîtres viennent. Seigneur, tu as dit, il est écrit. Seigneur, tu as dit, il est écrit. Seigneur, tu as dit, il est écrit, tu réponds aux malins, tu réponds aux mauvais esprits, tu réponds aux attaques, aux pièges, aux embûches et toutes ces choses qui ne marchent pas conformément dans ta vie. Et de quitter les liens. Vous comprenez cela? Et toutes les sectes, tout ce qu'on a proclamé dans votre vie, c'est ça la délivrance. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Vous comprenez? Donc cela veut dire, si vous demeurez en moi la parole, je demeurerai en vous. Vous avez dit, lui, c'est la parole. Si vous mettez cela, vous essayez de devenir la parole par l'écoute, vous allez voir que non, lui maintenant il vient. Et quand il descend, il va vous donner rien d'autre que sa divinité. Sa divinité, c'est sa vie à lui. Est-ce que vous comprenez? Lisons. On est ici. C'est pourquoi on a parlé, donc cela veut dire comme il a dit que non, dans verset 16, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, donc vous comprenez, quand vous vous démêlez, et vous naissez de la parole, c'est ça, la nouvelle naissance, c'est naître de la parole, qui a été brisé autrefois. C'est pourquoi les gens qui naissaient, naissaient dans l'iniquité conçue dans les péchés. Est-ce que vous comprenez? Mais le Dieu qui veut que la vérité soit au fond du cœur, il a dit demeurez ici, jusqu'à ce que vous serez convertis. Donc quand on vient dans l'église, enlevez cette conception dès le premier jour que vous avez pris Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, que vous êtes convertis. Non. La conversion veut dire naître de nouveau, revêtir une autre image. Et cette image, c'est Christ, c'est la divinité de Jésus-Christ. Tout, c'est l'invisibilité. Vous comprenez? La foi est invisible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Et cet homme-là, ce n'est pas cet homme ici. Le Seigneur disait qu'il ne veut pas simplement du pain, mais c'est ton vrai toi. Vous comprenez? Voilà. Quelque chose m'est venu avant que je puisse terminer ces écritures. Voilà. Il faut que je les lise. Parce que j'avais sauté cela. Quand le frère, j'ai examiné la vidéo que le frère Olivier m'avait envoyée, en examinant la vidéo, je me suis dit, donc ce qui intrigue Olivier, ça m'a intrigué aussi, les maîtres de l'univers. Je sais que quand ils disent les maîtres de l'univers, ils font allusion au quoi? À Lucifer, parce qu'il s'est dit il est le maître de l'univers. Mais au Dieu tout puissant, je dis non, il n'y a qu'un seul Dieu tout puissant. Mais
quand je me suis revenu à l'exemple, je me suis dit que aux démons que Jésus avait chassés, à cet homme-là qu'on appelait Légion, il les a envoyés dans le pourceau. Vous comprenez? Et je me suis dit, donc cela veut dire, comme ils se sont permis de prendre des images et de publier cela, ils ne pouvaient séduire les gens que par le nom du Seigneur. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les mondes. Vous voyez? Vous comprenez? Les gens de l'Oge les ont montrés aussi pour montrer que non, beaucoup de gens qui se tiennent aussi derrière la chair, ils font partie de leur côté. Ils font même le même service. Vous comprenez? De servir le diable. Comment est-ce qu'on sert le diable aujourd'hui? C'est de faire ce que lui a fait dans les jardins d'Éden, de briser les Écritures, de mal interpréter les Écritures, de briser les Écritures, d'enlever, d'ajouter. Vous comprenez? En disant, on vit les temps de la grâce. Non. Et ceux qui ont écrit cette Bible, c'était des humains. Tout ça, non. C'était de la part du Saint-Esprit. C'était la divinité du Seigneur Jésus-Christ qui a écrit cette Bible. C'est pourquoi les saints prophètes et tous, quand ils parlaient, ils nous écrivaient tout ce que nous lisons ici, tout ce que nous avons des épîtres et livres, donc ça veut dire des brochures que nous avons, tout ça, ça veut dire ne vient pas des hommes de chair qu'ils étaient. Vous comprenez qui ils sont, mais ça vient de cette divinité qu'ils étaient devenus. Christ, c'est ce que nous voulons à ce que nous puissions être pour être sauvés. Vous comprenez? Alors pour y arriver, nous devons être convertis. Et la conversion dont l'apôtre Paul parle ici, converti dans le Seigneur, ça veut dire naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Pour atteindre ça. Et bien nous avons remarqué, en invoquant le Seigneur, ces gens-là, en disant, qu'est-ce qu'ils invoquaient? Ils invoquaient l'ombre pour se réveiller. Oui. Et j'ai fait des examens sur ça, moi je dis non, oui, certainement. Souvenez-vous, dans le chapitre passé, le dimanche passé, nous avons parlé en parlant de l'ombre, tout ça, on avait dit que non, nous sommes, selon la parole, nous sommes des ombres d'une réalité, d'une vie qui est quelque part. Et cette vie, c'est la véritable vie du Christ. Vous comprenez? Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous. Vous comprenez? Moi, je viendrai en vous. Je vous donnerai moi, le Saint-Esprit. Donc, c'est ça les expressions claires, si on peut dire. Vous comprenez ça? Alors qu'avant d'y atteindre, parlons de ce que nous sommes en train de parler ici pour comprendre. Et il parle de l'ombre qui devait retourner sur cet organisme. Vous comprenez? Parce que je vous l'ai dit que non, on cherchait des radiations dans un organisme qui était resté là-bas, de ce cosmonaute. On a vu que non, il n'y a pas de radiation. Comment examiner cette personne là pour déchiffrer les chiffres qui fait en sorte que cet homme-là est en train de se dédoubler. Et il projette son ombre ailleurs. Vous comprenez? Il faut que l'ombre puisse réintégrer le corps afin que cet homme-là puisse se mettre debout. Vous comprenez? Et il priait pour que l'organisme, que le cosmonaute, abandonne aussi là-bas. Vous comprenez? Et en priant, ils invoquaient l'ombre là, en citant le nom du Dieu Tout-Puissant. Et ainsi de suite. En mélangeant le maître de l'univers et tout ça. Je me suis regardé, moi j'ai dit, voilà l'imitation du christianisme. Vous comprenez? Voilà l'imitation qui vient du diable. En imitant ce que les saints prophètes, ils ont fait. Voilà. Ouais. L'ombre là qu'on parlait, donc ça veut dire c'est l'esprit de l'homme. L'homme qui quitte son organisme. Vous comprenez? Donc, pour aller dans un autre monde. Et ce monde-là, nous vous ont dit ici, parce que c'est le dimanche prochain que nous allons vraiment parler de toutes ces sept dimensions, en commençant par la première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension et sixième dimension. La dernière, c'est la septième dimension. Vous comprenez? Dimanche prochain, on va venir simplement parler des dimensions en lisant les chapitres qui sont liés à ça. Vous voyez? Terminons d'abord de ce que nous sommes en train de parler ici parce que c'est très très important. Et quand ils ont invoqué l'ombre qui était allé dans une autre dimension ici, comme on appelle dans un autre monde, voilà. Quand on grandissait, il y avait un endroit, je me souviens qu'on allait avec le cercle, quand on passait avec le cercle, quand on vient de l'église, c'était une parcelle inachevée et ils appelaient ça deuxième monde. Voilà. Donc cela veut dire, quand vous allez, c'est le genre de loge qui parle du premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Alors, c'est ça
première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Mais si vous remarquez, ici nous avons écrit monde, ici aussi nous avons écrit monde. Donc ça veut dire, pourquoi nous avons écrit monde, ça veut dire l'univers, les galaxies, le quoi, le planète, tout fait partie de ces toits ici. Même la firmament fait partie de ces toits ici. Mais ce qui ne fait pas partie de ça, c'est la sixième et la septième. Vous comprenez? C'est ce que nous avons vraiment bien expliqué. Terminons ce qu'on est en train de parler sur l'ombre qui est sortie de l'organisme de cet homme-là. Vous comprenez? Et ils étaient là-bas, dans la vidéo, ils invoquaient que l'ombre puisse se retourner. Vous savez, l'organisme était ici, dans cette dimension ici de la Terre, et il était peut-être parti dans la deuxième. Vous comprenez? Dans son initiation, il fallait qu'il puisse retourner ici. Voilà. Donc c'est ça. Mais quand on parlait des saints, des chrétiens, je peux dire que des croyants, des pratiquants, un pratiquant est ici aussi. Demeurez en Christ, à chaque fois que vous demeurez, vous construisez un corps. Et ce corps-là, vous n'allez pas construire ça ici en bas. Vous construisez ce corps-là ici. Vous comprenez? Voilà. Et parce que celui qui est l'auteur de la foi, qui est la foi, cette invisibilité, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu invisible. Vous comprenez? Qu'on ne lui voit qu'au moyen de la foi et de l'expérience. De l'espérance. Vous comprenez? Et maintenant, quand vous écoutez la parole, bien interprétée du jour, la parole révélée du jour, cette parole-là vous construit quelque part votre vraie vie. Vous comprenez? Donc, vous tirez votre influence. Voilà. Votre réceptacle ne vient pas d'ici, ni d'en bas, mais ça vient d'ici. Parce qu'ici, il n'y a que les atmosphères. Il y a des systèmes construits par plusieurs mauvais esprits. Et il n'y a qu'un seul esprit. Quand les gens s'abandonnent à la parole, sans faire la compromis, lui, il quitte ici, il descend. Vous comprenez cela? Mais avant qu'il puisse descendre, il veut ce que nous puissions nous abandonner complètement. Afin qu'il puisse, donc, nous puissions devenir des demeures. Vous voyez? Et les demeures là, ça se trouve encore ici. Ce sont des corps qu'on est en train de construire par l'écoute de la parole, de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Chaque fois, la parole là, tout se fait par la prière, par la parole, des jeunes avec la parole. Vous comprenez? Dormir avec la parole, écouter, chanter avec la parole, tout la parole, s'habiller avec la parole, vous voyez, c'est ce qui va faire en sorte que non, cette vraie vie, ouais, qui est cachée quelque part, va quitter les trous. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si il n'y en avait pas, je ne vous aurais pas dit. Ouais, donc, il nous a dit que non, il n'est pas un menteur. Ouais. Laisse-moi, réjouissez-vous que je puisse m'en aller là. Parce que le Père est plus grand. Donc ça veut dire, vous êtes là ici, vous êtes incomplet. Vous êtes que des ombres. Alors que dans l'ombre, il y a une partie de lumière et il y a une partie de l'obscurité. Si la lumière, une petite lumière qui est en vous, comme on avait dit, que l'homme est composé de sept éléments, dans cette formation dont nous sommes ici. Vous voyez, en dépendant du temps. Et vous allez remarquer que non, si on n'est pas influencé par cette lumière qui quitte le royaume pour descendre ici, c'est l'obscurité qui quitte ici qui va régner. Et nous allons mourir en mourant, vous allez rester là-bas attendre le jugement. Vous comprenez? Mais celui qui demeure en Christ, qui demeure dans la parole révélée du jour, alléluia, celui-là construit un corps, et ce corps-là, c'est le corps théophanie, qui est le corps parole, Christ, qui quitte ici le Saint-Esprit et il vous donne sa divinité. Voilà ce qui était William Branham. Vous comprenez? Voilà ce qui était l'apôtre Paul, que même d'autres apôtres ne le comprenaient pas, parce que quand il est en Arabie, il a tout jeter ce qu'il avait étudié à l'école de Gamaliel, toute connaissance judaïste, vous comprenez, qu'il a appris, il a mis ça de côté
Dès ce jour-là, qu'Ananias, le prophète, lui a imposé les mains. Il est allé là-bas 3 ans et 6 mois. Quand il est revenu, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu le Père. Vous comprenez? Ce n'est pas par une école, ni par ceci, ni par le temple, mais par le Saint-Esprit que je vous dis ces choses. Et maintenant, quand quelqu'un vient pour ajouter ce que le Saint-Esprit, Paul, nous a dit, vous comprenez? Il est en Athènes. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, dans un ange, ça devait, c'est une personne, en fait. Si vous ne croyez pas ce que vous avez vu, vous avez vu comme manifestation de cet esprit à cet homme, vous n'y arriverez pas vous aussi. Vous comprenez? Vous allez vous limiter quelque part et vous allez voir cette grosse pierre qu'on a donné l'exemple ici et la pierre précieuse qui est en bas là-bas, vous n'y arriverez pas. C'est comme dans cette pyramide, la statue parfaite. Quand vous entrez ici, vous devez entrer avec humilité. Vous comprenez? Vous effacez complètement. Vous vous voyez comme un grand péché, que plus que tous les autres, comme moi, un bon péché. Vous comprenez? Et en pleurant, en se lamentant, en criant « Seigneur, Seigneur », c'est à ce moment, avec la parole, vous allez voir que votre vrai vous, voyez, va quitter le trône. Cette demeure-là va venir ici et le Seigneur viendra a compris les critiques de Jean 14 en disant que non, si vous m'aimez, vous garderez mon commandement. Moi et mon Père, nous allons vous aimer et nous viendrons à vous, nous allons faire notre demeure chez vous. Donc ça veut dire chez toi. Vous comprenez cela? Donc c'est ce qu'on est en train de parler ici. Si on n'y arrive pas à saisir ces choses ici, on garde la conception ecclésiastique dont nous avons. Et nous allons, donc nous avons mis notre nom dans le registre, dont nous nous sommes dit, sache que ça a été fait d'un homme. Et cet homme-là, peut-être, il y a longtemps, vous comprenez, il a fait la compromis, il a été déjà déchu, et le Saint-Esprit lui a quitté il y a longtemps, parce qu'il a demeuré dans cet état-là, et il n'a pas vraiment demeuré jusqu'à recevoir la plénitude. Et cette petite portion de la foi que le Seigneur accorde à tous ceux qui viennent à lui, au début ici, disparaît. C'est pourquoi j'ai dit que la lumière qui compose l'ombre, la lumière va être éteignée. Et qu'est-ce qui va régner? C'est l'obscurité. C'est ce qui fait en sorte que quand vous mourrez, vous allez vous retrouver ici pour attendre le jugement. Vous comprenez? Mais ceux qui ont demeuré, ouais, c'est ces dons quand on les invoque. Vous comprenez? Quand leur organisme peut-être est étalé là-bas, peut-être il est frappé par la maladie, il est au coma, quelque chose comme ça, vous allez voir que non, il y a un sens que je vous ai dit l'autre fois par ce nerf cochléeux. Ouais, vous allez remarquer que ce nerf-là, l'audition, c'est la seule chose qui reste, même quand quelqu'un est dans le coma ou quelqu'un qu'on déclare que non, il est mort. Vous comprenez? Un bon serviteur de Dieu, comme frère Branham, le prophète du temps de la fin faisait, quand il arrive, il pose simplement la question, à quelle heure remontait sa mort? On dit que c'était à telle heure. À partir de cette heure-là, vous comprenez? Frère Branham sache déjà que non, où est-ce que je peux... Donc ça veut dire ça déjà que non, où est-ce qu'il peut se retrouver? Vous comprenez? Donc directement, voilà. Donc cela veut dire par la divinité du Christ, il avait cette capacité. Comme l'exemple que je vous ai donné, que si cette parole demeure en vous, vous serez capable, vous dormez après de faire la prière, vous comprenez? Vos fortes pressions de radiation qui sortent de vous, cette énergie spirituelle qui se dégage en vous, peut aller sauver quelqu'un d'autre avec des démons qui lui entourent. Il vous voit comme ça, il vient, que vous venez pour lui défendre. Il venait et les gens ont peur de lui. Vous comprenez cela? Parce qu'il est la parole. Et le diable n'a peur que de la parole. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, donc vous savez, qui s'abandonne à la parole, qui peut venir comme ça, qui peut être vraiment malade. Et les médecins vous ont déjà dit que non, ça ne va pas.
Ça, c'est les cancers, les tubers, la tuberculose des oreilles, tout ça, tout ça. Et lui, il vient comme ça, il prend simplement de l'eau, il soulève ça en haut, il prie, il cite l'écriture de Colossiens ou de Marc 16, et puis il prend cette eau-là, il vous donne, vous buvez comme ça, vous vous relevez après que Dieu vous dise. Vous comprenez, si vous croyez avec lui. Donc voilà ce qui se passe avec lui. Voilà. Et maintenant, nous voyons que non, ce qui se passe avec nous, ce n'est pas comme eux, comme j'avais regardé dans la vidéo. Ce qui se passe avec nous, c'est quand nous nous démenons avec la parole, notre vraie vie, notre vrai nous, ce n'est pas l'ombre. L'ombre, c'est ça. Vous comprenez? Si dans cette ombre-ci, c'est la lumière qui domine, la lumière quitte. Vous comprenez? Les ciels, pourquoi? Parce que vous êtes la lumière et la lumière vient pour vous éclairer totalement et vous devenez complètement la lumière. Vous comprenez cela? Mais si vous n'êtes pas influencé, vous n'utilisez, votre réceptacle ne vient pas d'en haut et d'en bas, là-bas c'est l'obscurité. Le séjour des morts, le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui se passe. Que cette lumière du jour ne vous trompe pas. Ce monde ici, l'atmosphère de tous les univers que nous voyons ici est dominée par les ténèbres. Cette petite lumière cosmique qui est en nous, si cela n'est pas dominé par cette lumière qui est Christ, vous comprenez? La tête de l'Église, vous serez complètement dans l'obscurité. Vous comprenez cela? Et à chaque fois que non, il y a des cloches qui sonnent par-ci, par-là. Il y a des sons qui sortent par des musiques qu'on joue, qu'on tire des influences du succès, de la popularité dans ce monde ici, vous ramènera aussi ici, juste par une chanson d'une vedette de musicale mondaine, vous comprenez, qui peut jouer dans un bar, dans une voiture, dans les téléphones portables, sur Facebook et toutes ces choses-là, vous ramènera facilement jusqu'ici. Et vous serez gardé dans cette prison ici, parce qu'ici, il y a toujours cette prison qui est là. Remarquez les âmes qui sont maintenant en prison. Vous comprenez? Vous pouvez écouter simplement par l'audition. Seigneur conclueur, et vous vous retrouvez ici. C'est pourquoi le Seigneur insistait sur la foi, vient de ce qu'on entend. Pourquoi? Quand vous demeurez ce que vous écoutez, cela va vous transformer et vous allez revêtir l'invisibilité. Vous comprenez cela? Voilà, parce que la foi elle-même est invisible. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui fait cette différence de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Vous voyez que nous, les églises, nous ont fait des soi-disant croyants, alors que nous sommes censés être des croyants. Donc ça veut dire, c'est ce qui était la prière ou soit le chagrin du Seigneur Jésus-Christ à la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce qu'il ne va plus venir avec ce corps-là, avec ce barbe-là, alors que les gens, le Seigneur savait déjà que les gens auront cette conception de lui attendre avec cette apparence galiléenne, si je peux dire. Vous comprenez? Alors que c'était le corps agneau dans sa première venue. Il devait abandonner cela parce qu'il devait mourir à la croix comme un ami. Alors, quand il est ressuscité, il a pris le clos glorieux. Lui, la colonne de feu qui était autrefois dans les déserts avec nos pères, et il est venu vers le soir. Et quand il est descendu vers le soir, il ne veut plus venir avec ses corps. Il est devenu Niwe. Vous comprenez? Voilà. Donc, cette Niwe divine, la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, il vient maintenant pour se tabernacle. Et en venant, il a vu que le temple qui était censé d'être construit par la parole en demeurant est devenu des temples, vous comprenez, des instruments du malin. Vous comprenez? Par le brisement des écritures. Voilà. Par la compromis qu'ils ont fait avec la parole et les a amenés à faire des pactes et des alliances. Comme le prophète Esaïe le dit dans Esaïe chapitre 28. Est-ce que vous comprenez cela? Mais, et cela a fait en sorte que l'homme, il s'est attristé et il se tient dehors. Apocalypse chapitre 3, 14 à 20.
Et il est en train de frapper à la porte individuellement. Celui qui écoute sa voix, il entre. Il demeure et il reçoit sa divinité. Vous comprenez? Après avoir été converti. Beaucoup, nous ne sommes pas encore convertis. La conversion vient quand on demeure, on résiste, on grandit. On grandit dans la parole. On ne peut pas donner des choses. Vous comprenez? Mis à un petit bébé. Non, c'est pratiquement impossible. Il faut que l'enfant puisse grandir. C'est ça, première étape de la grâce. La naissance, vous comprenez? On a parlé de la confession, la repentance, qui devait être prêchée, comme le Seigneur avait dit que la repentance doit prêcher partout dans le monde. Avant qu'il puisse venir. Donc, quand on prêche la repentance, repentez-vous, arrangez vos vies, vous comprenez, et vous demeurez dans la parole. Maintenant, vous commencez à recevoir la connaissance des choses qui sont et des choses qui doivent arriver. Voilà. Et maintenant, quand vous demeurez, vous passez par la sanctification, la seconde étape de la grâce. Et en quittant la sanctification, c'est la conversion qui vient. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Christ descend dans sa plénitude de la divinité comme nous l'avons vu. Dans Frère Branham, apôtre Paul nous a écrit ce Nouveau Testament. Lisons. On passe dans verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur prononçait ces mots ici. Celui qui est à moi est affranchi. Affranchi, cela veut dire il le rendit libre. Donc, ça veut dire quand quelqu'un vous regarde, il vous condamne parce qu'il a vu quelque chose, cela veut dire c'est un incrédule. Mais si quelqu'un qui est converti comme vous, il est libre par la parole qu'il a reçu, qui est devenu lui, il va venir auprès de vous pour vous dire que non, bien aimé, ce que vous avez fait ici, ce n'est pas correct. Essayez un peu. Vous comprenez? Il vous ramène à la parole parce qu'il est la parole. Vous aussi, si vous êtes la parole, vous allez vous humilier et dire, cher bien aimé, que Dieu vous bénisse pour la reproche que vous m'avez faite. En tout cas, je suis vraiment très reconnaissant envers vous. Je me mettrai en ordre. Si j'avais à choper notre bien-aimé, je le ferai. Mais le mal que nous voyons aujourd'hui, surtout avec ce qui se tient derrière la chair que nous appelons les extraterrestres, vous comprenez, les polymorphes, quand ils vont, ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le rôle du diable. Vous comprenez, quand ils voient une sœur dans une vie qui est en train de s'égarer un peu, on va s'entouer jusqu'à tel point que la sœur est complètement égarée et les païens commencent à jouer avec une fille de Dieu. Jusqu'à tel point qu'on va voir, il y a d'autres qui perdent même leur vie, qui tombent malades, ainsi de suite. Ça, c'est la même chose avec un frère qui souffre, au lieu d'aider le frère, on voit les gens qui veulent la famille là-bas. C'est la sorcellerie de leur famille. Et tu ne vois pas leur père comme il était. C'est peut-être ça peut être les choses que ses mamans ils faisaient. Ah, il ne faut pas. Il y a d'autres choses. On commence à prendre des choses que les gens prêche dans des églises en parlant sur des choses qui se passent dans des familles. On amène ça là où il y a la puissance de la parole et ils attristent le Saint-Esprit, ils rendent les promesses de Dieu faillibles. Et c'est ce qui fait que d'autres personnes souffrent et qu'il y a paix, qui ont peut-être bien embauché et ils se sentent qu'ils sont en bon terme avec les pasteurs. Est-ce que vous voyez? Donc, dans de tels endroits, il n'y a pas de Saint-Esprit. Dans des endroits où les pasteurs, où les prophètes, avant qu'on puisse le voir, il faut qu'on puisse payer 500$, 100$. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Parce que la vie de Dieu ne sortira jamais là-bas. Impossible. Vous comprenez? Donc, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a des gens qui sont affranchis parce qu'ils sont nés de la parole. Vous comprenez cela? Là, on n'exige rien. Chacun vient donner selon ce que l'Esprit lui ordonne de lui donner selon la disposition que l'Esprit lui a donnée. Que non, allez-y, prenez ça, donne ça à mon serviteur, prenez ça, amène ça à l'église, prenez ça, donne ça à ton frère, donne ça à ta soeur, regarde ceux qui souffrent, regarde ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont délaissés, ainsi de suite. Vous comprenez ça?
Et nous avons vu que les gens de ce monde commencent à nous montrer des bons exemples par rapport à ce que nous devons être. Pourquoi l'amour est refroidi? Et on prétend être des chrétiens. Qui sont des chrétiens? Les chrétiens sont des gens convertis, affranchis. Lisons les Écritures. 18. D'abord, laisse-moi répéter 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18. Nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur. Quel est le mot? Reflète. Vous êtes le reflet d'une vie qui est quelque part. Vous comprenez? La vie Zoé, la vie de Dieu et les demeures que le Seigneur nous a promis ici, quand vous demeurez, ça quitte ici. Votre corps théophanie, une partie de vous étant un élu qui était en Dieu avant la fondation du monde, il libère. Vous comprenez? Parce que quand nous écoutons cette parole ici, on n'écoute pas ici, on n'écoute pas ici, nous écoutons la parole dans le lieu céleste en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous comprenez? Les desseins qu'il a formés en lui-même avant la fondation du monde, afin de mettre en exécution quand le temps arrivera. Vous comprenez? Quel est ce temps? C'est le temps que nous vivons. Quel temps que toi tu attends encore? C'est le temps que les sceaux sont ouverts. Vous comprenez? Les tonneaux ont grondé. Vous voyez? Donc c'est ça. Et maintenant, ici, c'est pourquoi, quand Frère Barnabé disait que non, l'épouse de Christ ne passera pas par la condamnation, par le jugement, pardon. Vous comprenez? Par le trône du jugement. Pourquoi? Parce qu'il était demeuré ici. Il a condamné la mort avec ses œuvres et il se retrouvait chaque fois ici quand il écoutait la parole bien interprétée, la voix de Dieu, la voix pourvue par le Seigneur. Voilà. Et c'est ce qui fait en sorte que non, quand vous mourrez, vous n'avez rien à voir avec cet espace. Le trône du jugement, vous passez directement ici. Voilà. Pourquoi? C'est ce que nous disons ici. Nous tous, dans le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Voilà. La vie sur la divinité de Jésus-Christ. Vous avez reçu votre portion de la divinité. Et ce reflet qui est Christ, cette vie qui est cachée en Christ ici, est descendue dans vous. Vous comprenez cela? Et vous devenez sa demeure, lui qui le Saint-Esprit. Vous devenez le tabernacle Christ. Vous devenez le temple du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Vous comprenez? Je n'habite pas dans ce qui est fait d'homme, de main d'homme. Vous comprenez? Tous vos cathédrales, vos tabernacles, vos amphithéâtres de Limité, de Libreville, d'Abidjan, et tout, partout, ce ne sont pas des temples de Dieu. Les temples de Dieu, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est pourquoi quand deux, trois sont réunis en mon nom, il est au milieu de nous. Voici qu'il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, les bénédictions et la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile qui descendait dans la tête. Vous comprenez? La tête, l'âge de l'aigle, la révélation, la connaissance. Et maintenant, si vous n'avez pas la connaissance, c'est l'âge de la tête. Christ, la tête de l'Église. Vous comprenez? Terminons ici. Nous allons terminer avec ce verset ici et nous allons continuer le dimanche prochain. Nous tous, dont le visage reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image de gloire en gloire. En même image avec qui? Avec Christ. L'image de Dieu que Dieu disait aux créations, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, était déchu, dépourvu. Il a perdu ça. Et Christ est venu, le second Adam, il a payé le prix pour que vous puissiez refléter cette vie ici, sur la terre. Vous êtes le reflet d'une vie qui est quelque part. Et quand vous vous demeurez dans la parole, vous comprenez? Et vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous.
Vous comprenez, cette vie ici qui te trouve, cette portion de la divinité du Seigneur Jésus-Christ descend en vous. Vous devenez le temple du Dieu vivant. Vous comprenez, du Dieu tout-puissant, vous devenez le fils de Dieu, Dieu. Vous comprenez cela? On va lire ça ici pour terminer. Voilà. De gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voilà les choses que nous sommes en train de parler en insistant, comme si des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Mais si vous saisissez très bien, vous allez comprendre que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est lui qui est en train d'insister ça parce qu'il a besoin de toi. Il n'a pas besoin que tu puisses te perdre. Voilà. Comme les Écritures disent, le Seigneur n'a pas voulu qu'aucun périsse. Il veut acheter que nous tous soient sauvés et arrivent à la repentance. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 1. Nous commençons et nous allons terminer par la lecture qui accompagne ce que nous venons de dire ici. Nous lisons. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ajoutent foi à tout esprit. Mawa. Vous comprenez? Tout ce que vous attendez, parce qu'on a cité le nom de Jésus, vous êtes là. Parce qu'on a parlé de Jésus, vous êtes là. Parce que vous avez entendu des miracles au nom de Jésus, vous êtes là. Parce que vous avez entendu des prodiges au nom de Jésus, des prophéties, vous êtes là. Pourquoi? Vous êtes une créature miraculeuse. Votre vie, déjà, c'est une vie prophétique parce que si vous croyez à la parole prophétique, remarquez, on parle d'un prophète de Dieu. Pourquoi prophète? Parce qu'il vient avec la parole. Vous comprenez? Frère Branham, un homme prophétique, avec la parole prophétique, Paul, prophète. Vous comprenez? Pierre, Irénée, Colomba, Martin Luther, Wesley, et tous, vous comprenez? Prophétique, ça veut dire mystère. Et le mystère que vous avez avec vous ici, vous irez là-bas pour qu'un humain vous parle. Alors, il va pratiquer la divinité d'une manière obscure. Ouais, c'est ici qu'ils tirent. Donc, ils ont leur reflet. Donc, ce n'est même pas le reflet, ça veut dire qu'ils tirent leur influence. Vous comprenez? Le reflet, c'est ici. Ici. Voilà. On lit et on termine. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que vous pouvez les éprouver? C'est par la parole. Si il vient vous prêcher la parole sans compromis, c'est à ce moment-là que vous dites que non, celui-ci, c'est celui que je devais suivre. Vous comprenez? C'est celui qui est peut-être. Vous comprenez donc, ça veut dire 1 Éphésiens 4 pour moi. Si pas, question, rentre encore dans ta chambre, prie. Si pas, écoute simplement la voix de Dieu. Reste avec la voix de Dieu. Voilà. Et Dieu vous aidera. C'est ça. Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu ce que dit les saints Jean, les saints apôtres de Dieu, Jean? Alléluia, non. On avance. 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Alléluia. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu et, virgule, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ vient venir en chair et de Dieu. Si vous n'avez pas vu Christ personnifié, quand il disait ici, viens en chair, c'était lui, Paul. Il ne parlait pas de Jésus, viens en chair, qui était mort, enseveli et crucifié. Non. C'était lui qui s'était né là. Vous savez, la dispensation a changé. Donc, ça veut dire, dispensation là, de Galilée a quitté. C'était maintenant lui, Jean qui parlait ici comme Dieu comme Jésus-Christ. Vous comprenez? Les frères de Jésus. Mais il parlait comme lui maintenant. Dans la chair. Comme aujourd'hui. On avance. Quand quelqu'un vous voit lui témoigner ça,
qui ne cherche pas Dieu en moi n'est pas les yeux. Ceux qui l'écoutent, s'il est bien interprété, c'est ça. 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, ce n'est pas de Dieu. Bien qu'il y ait les moqueurs, n'oubliez pas, vous venez de dire ça, qui déclare le nom de Jésus. Mais c'est de la fausseté, comme la vidéo que les frères avaient envoyée. Ils invoquaient même le nom de Dieu Tout-Puissant, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant. Et c'était pour attirer le monde, vous montrer que même les loges, ils sont avec Dieu. Pourquoi, c'est pourquoi ils ont publié ça. Voilà. Il faut être prudent. Attention, attention, attention. De Dieu. Alléluia. C'est celui de Antéchrist. Ce que vous avez vu et entendu. N'entendez plus. Donc vous avez appris la vie. Et qui maintenant est déjà dans le monde? L'Antéchrist. Amen. 4. Vous petit enfant, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous petit enfant, enfant en pluriel, vous comprenez. Mais quand on arrive, il a dit vous êtes. Vous là, deuxième personne du singulier pluriel, mais deux là, pour dire cet article de, ce n'est pas plusieurs, deux, vous comprenez, deux dieux, de plusieurs dieux, non, c'est des, pas deux avec, de deux en pluriel, non, c'est deux simplement comme ça, singulier, vous comprenez, non? De Dieu. Et le Dieu là, c'est majuscule. Boza Banzambe. Donc Boza Banzambe, c'est Boza Nzambe. Vous êtes Dieu, si on peut dire. Vous êtes de Dieu. C'est... Je ne sais pas si on comprend la divinité du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Dieu n'est pas au ciel. Dieu veut demeurer à nous. Mais les serviteurs des temples, des églises, des tabernacles, des amphithéâtres, surtout des églises du réveil. Ils y ont chassé leur retourne là-bas en haut. On termine. Vous comprenez, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Vous voyez qui? Les habitants du temps, les créatures du temps, vous comprenez? Et les créatures de l'éternité. Ce qui vient de la création, et le Seigneur nous a mis dans la formation, et ceux qui sont que de la formation, comme Caïn, comme Judas, comme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On termine ici. Voilà, 6. Nous nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alléluia. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Merci pour votre temps. Je sais que vous avez besoin qu'on puisse vraiment clarifier ces choses. Oui. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, notre premier dimanche du mois de janvier, Dieu voulant, nous allons continuer à parler de ça. Demeurez dans la parole, que la parole demeure avec vous. Allez faire le vœu. Psaume 24, 2024. Allez-y devant l'Éternel. J'ai besoin de ça. Si tu me donnes ça, je vais te servir. Si tu me donnes ça, je ferai ça pour ta gloire. Voilà. Dieu veut à ce que nous puissions lui promettre quelque chose pour sa gloire, pour le royaume, pour notre propre bien, pour le reflet du ciel, pour refléter le ciel au milieu de ce monde qui se meurt. Vous comprenez? Promettez ça en demandant à la prière si c'est la guérison. Mais la maladie qui vous dira chaque fois, le Seigneur va vous accorder. Si c'est pour les problèmes de la vie, les choses vivantes et toutes les souffrances, la maladie qui vous dira chaque les fois, politiques, si c'est pour nous faire faire, le Seigneur vous donnera la solution. Que Dieu vous bénisse richement.
Bonne année 2024. Que Dieu vous bénisse. Une année de prospérité, de paix et de la joie. Shalom. Vous savez, une fois que je me suis dit, mon ordinateur en ressemble. Thank you.